la team, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale devenir freestyler pro comme la S3. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aimerais énormément être dans le membre de la S3, mais moi je crois que je vais jamais être membre de la S3 parce que je suis pas au bon niveau. Je suis pas au niveau pour aller là-bas. Allez, bon visage à tous. Allez, c'est parti. Je voulais refaire la figure que Annie Freestyle a inventé. Gros big up à Annie Freestyle. C'est parti, je vous montre. C'est ça la figure qui est inventée. Donc faites-le, c'est pas très difficile. Si vous arrivez, bien joué. Ce qui est très important, ce n'est pas important de prendre une rumble, mais vous pouvez quand même prendre une banque de foot. Ce n'est pas important, voilà. Savoir c'est que je suis pas spécialisé du freestyle au sol et je suis pas spécialisé au freestyle panard, je suis plutôt freestyle debout, donc voilà. Ce qui est important dans le freestyle, c'est savoir maîtriser des gestes très difficiles, comme par exemple le sap, comme je viens de faire. C'est très difficile à maîtriser, il faut s'entraîner des heures. C'est comme ça qu'on peut devenir pro, donc voilà. Ce qui est très important dans le freestyle, c'est avant de vous faire du freestyle, échauffez, étirez-vous. Par exemple celui-ci. C'est très important pour éviter une déchirure musculaire après avoir fini. Mais je vous conseille de re-étirer une fois que vous avez fini. La précision, c'est important aussi pour le truc shot freestyle par exemple ou le cross bar challenge avec vos potes. Bon, voilà. Le freestyle pana, c'est important de s'entraîner, pourquoi pas, et principalement les potes. Par exemple, faire croire donner la balle à quelqu'un. Voilà, et faire croire que le ball est parti. Il est là-bas. Voilà, c'est ça le plus important. Entraînez-vous bien. Entraînez, n'abandonnez jamais, n'oubliez pas deux choses importantes, la motivation et la détermination, ça le plus important. Sachez que si vous savez freestyler ou pas, je sais quand même faire que vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne savez pas maîtriser, il faut encore entraîner, il faut des heures pour des entraînements. Ce qui est important, c'est l'entraînement musclé, n'est pas trop musclé, il faut être ni trop musclé, ni trop pas musclé, donc voilà. C'est le plus important. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est la souplesse. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est la base. Donc voilà. Allez, bonne chance à vous. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour que je puisse vous encourager, booster. N'abandonnez jamais le freestyle. Soyez motivés et déterminés. Je vous dis sur ce, cliquez ici pour t'abonner à ma chaîne. Je vous dis sur ce, peace. Yeah.